conseils vous pourriez donner à d'autres gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure, d'ouvrir une savonnerie et voilà, qui ont envie aussi, eux, de s'y mettre et de devenir artisans? C'est marrant parce que c'est un peu le même parcours que chez moi, en Ah fait. oui. Moi aussi, mon fils est en marketing et voilà, enfin voilà, c'est vraiment familial. Pour ma part, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une interview que j'ai réalisée, une interview de mes collègues savonniers de chez Chrysal Natural Soap. C'est une savonnerie artisanale basée en Belgique, à Roosdaal très précisément. Il y a quelques semaines de cela, Christelle et Bertrand ont gentiment accepté de m'accorder un peu de leur temps pour répondre à mes questions. Ils vont vous parler de leur passion, de ce qui a motivé le lancement de cette savonnerie, de cette aventure qui est familiale, mais aussi de leurs difficultés. J'espère en tout cas que cette interview, cette vidéo, vous motivera si vous aussi, votre souhait est de créer votre propre marque. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview de Christelle et Bertrand. À très bientôt. Bien, bonjour Christelle, bonjour Bertrand. Vraiment, merci d'avoir accepté de prendre un petit peu de votre temps et de participer à cette interview. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter votre savonnerie et nous expliquer un petit peu comment vous en êtes venu finalement à monter Chrysal Natural Soap? Oui, d'abord, merci à toi de nous permettre de partager un petit moment, je dirais, avec toi et avec ton public. Je vais peut-être laisser la parole à Bertrand. Comment tu as commencé, en fait? Donc, en fait, quand j'étais bébé, j'étais fort allergique à tout ce qui était produits savon, pour les douches et tout ça. Et maman, en fait, commençait à faire ses propres produits de lessive et puis a continué à faire les savons. Et en fait, c'est de là que l'idée de la savonnerie a commencé, en fait. D'accord. Donc, c'est elle qui t'a un peu transmis ses apprentissages et toi, ça t'a vraiment donné envie de mettre la main à la pâte, en fait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, tout a commencé parce que je me suis fait remonter les bretelles par le dermatologue. En fait, on est parti un jour en vacances. Il était des tout petits bébés. On le portait encore dans le sac. Et je suis allée dans un magasin de vêtements très connu. J'étais lui acheter une cagoule parce qu'on partait de nuit, on décollait de nuit. Et bon, alors, le soir, je lui mettais la cagoule. Et quand on est rentré, on était aux urgences à l'hôpital en dermatologie parce qu'il avait de l'eczéma et des plaques partout. Donc, c'est suite à l'après qu'il y a dans les vêtements. Tout de suite, on a dû passer sur de la cortisone alors qu'il n'avait que quelques mois. Alors là, je me suis dit, ça ne peut pas continuer. Donc là, j'ai commencé à faire mes produits lessiviels. Et puis, on a dû continuer. On devait savoir, souvent mettre de la crème avec de la cortisone parce qu'il y avait des plaques à tout bout de champ finalement. Je me suis dit, ça ne peut pas continuer. Donc là, c'est vraiment, il faut que je trouve quelque chose. La lessive, ça marchait. Donc, il ne fallait déjà pas des parfums. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur les savons. Et puis, bien plus tard, alors j'ai commencé à faire des stages. Et voilà. Donc, quelque part, il lance le flambeau, mais il était, à la source. D'accord. À la base, c'était vraiment pour lui, en fait. Pour lui. Oui, tout à fait. Oui. Et Chrysal Natural Soap, d'où vient ce nom? En fait, le nom, on l'a fait avec notre logo, donc le papillon, de la chrysalide, de la chenille vers le papillon. Donc vraiment le développement des huiles essentielles au savon, en fait. D'accord. Vraiment prendre. Allez, on s'est dit. Un jour, on a vu une image de papillon, tous ensemble, on s'est dit. Et on voyait sur l'image du papillon, et on ne le voit pas sur le logo parce que ça, on l'a enlevé, les différentes étapes, le vert, puis la différente transformation. Mais on s'est dit, ça correspond tout à fait à ce qu'on fait quand on crée un savon. On part d'une base liquide pour arriver à quelque chose de solide, de joli, qui a une belle odeur. Oui, et cet effet un peu magique finalement. Oui, c'est voilà. Ça. Oui, d'accord, ok. Et quelle est la spécificité de votre gamme, de vos produits?
En fait, c'est tout ce qui est savon saponifié à froid. Oui, c'est ça. C'est le savon vraiment saponifié à froid. Bien sûr, il y a aussi d'autres produits comme les baumes à lèvres, les déos ou les huiles à barre, par exemple. D'accord. Et donc, si je me souviens, enfin oui, je me souviens bien, ils sont tous aussi très colorés. Et voilà. Oui, c'est ça, vraiment plein de couleurs, plein d'odeurs, oui. Plein de formes. Ouais. Oui, oui. Donc, il y a beaucoup de créativité aussi dans ce que tu fais, dans ce que vous faites. Oui. Ouais. Combien de temps depuis l'idée de créer la savonnerie et l'aboutissement, est-ce que ça a été un long parcours, un long chemin? Oui, quand même plus ou moins un an et demi à deux ans, on peut dire, ouais. Vraiment, ouais. Quand même assez longtemps. Bah, c'est toi qui as démarré avec ton TFE, quoi. Oui, ça a vraiment commencé avec le TFE, quand j'ai fait mon TFE pour ma réto, en fait. D'accord. De fin d'études, j'ai fait sur commencer une entreprise en tant que jeune entrepreneur. Parce que moi, je voulais vraiment me diriger vers le marketing. Ce que je fais vraiment aussi maintenant pour mes études, c'est le marketing. Et du coup, je me suis dit... pourquoi pas lancer une entreprise autour des savons que maman faisait. Et alors, j'ai partagé mon idée à la famille et tout le monde était d'accord. Et on a vraiment commencé autour de ça. Et voilà, on est là quoi, aujourd'hui avec notre propre entreprise et notre propre savon. C'est marrant parce que c'est un peu le même parcours que chez moi. Ah oui. Si mon fils est en marketing et voilà, c'est vraiment familial. C'est vraiment marrant, c'est vraiment un peu le même... Et on s'est réparti les tâches. Parce que Bertrand, il s'occupait du développement du webshop, puis il continue à gérer le webshop. Moi, je ne suis pas très douée pour tout ce qui est médias sociaux, donc c'est Romane. Donc, quand on voit les vidéos avec ses doigts et tout ça, la dernière, par exemple, on voit ses mains qui font les emballages cadeaux. Alain, mon mari et le papa des enfants, lui, il s'occupe de la découpe. Parce que moi, je n'ai pas la force de bien découper bien droit les blocs de savon, puisqu'on produit quand même 5-6 kilos à la fois. Et il s'occupe de tout ce qui est aspect comptable aussi. Et moi, je produis, je crée. Voilà, donc on a chacun notre tâche dans l'entreprise de Bertrand. Ouais, donc c'est vraiment une petite entreprise artisanale et familiale. Ouais, voilà. Okay. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce chemin? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Là, je vais peut-être t'expliquer. C'est quand il a eu l'idée, je me suis dit, bon, il faut aller plus loin au niveau formation. Donc, j'étais voir un savonnier à Charleroi pour me former. Et puis, bon, il fallait que j'aille voir d'autres savonniers aussi. Donc, je t'ai contacté. J'ai contacté un savonnier à Liège. Et finalement, un autre savonnier du côté de Namur. Et vous êtes les quatre personnes, finalement... avec qui je peux échanger, partager. Mais je me rends compte que c'est un monde assez fermé. Sur les forats, il y a assez de critiques, mais malheureusement, ce ne sont pas toujours des critiques positives, voire constructives. Les feedbacks sont assez négatifs. Je trouve ça très triste. Et c'est ce manque d'échange et d'ouverture. Des fois, quand on contactait par mail ou par téléphone d'autres savonniers, il y a des gens qui ne voulaient même pas répondre. Et je ne sais pas ce qui les effrayait finalement. Est-ce que c'était le partage? Est-ce qu'ils avaient peur de dévoiler quelque chose? Donc ça, je trouve que c'est un aspect assez compliqué. Et évidemment, tu le connais tout aussi bien que moi, c'est tout ce qui est réglementation. Donc c'est assez lourd, il y a des échéances à respecter, il y a des dossiers à créer. Donc évidemment, ça aussi, ça prend du temps, tout comprendre, tout assimiler. Donc c'est pas évident. Ouais. Donc c'est vraiment le fait, en fait, ouais, moi j'ai vraiment ressenti ça aussi, c'est vraiment le fait de sentir un peu isolé. Oui. Et de ne pas trouver... quelqu'un pour échanger auprès de qui trouver certaines réponses et un peu oui j'ai aussi trouvé ça et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je partage et le but c'est vraiment ça. Oui, mais je trouve que c'est très important dans un milieu artisanal en fait parce qu'on est c'est tellement spécifique et chaque artisan apporte sa touche quelque part. Donc, je ne comprends pas qu'on ne veuille pas partager parce que quelque part, partager, ça permet de se remettre en question et ça permet d'évoluer, de continuer. Donc,
pour moi, le partage, c'est tellement enrichissant. Je ne comprends pas ceux qui ne veulent pas y adhérer. Mais bon, chacun son choix et voilà. Oui, ça, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression d'un peu de secret de polichinelle et de peur de concurrence, alors que finalement, ben, on a tous nos spécificités. Il y a suffisamment de place, il me semble, pour tout le monde. Et voilà, quoi. Donc, oui, tout à fait. Oui. Ouais, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, oui. Alors, quelles sont finalement les choses que vous préférez dans le métier de savonnier ? Quelles sont l'activité vraiment que vous adorez dans ce métier et qui vous passionne ? Donc moi, c'est vraiment le côté marketing, donc s'occuper du webshop, vraiment s'occuper des commandes, aller les porter à la poste, les livrer chez les clients et aussi gérer le stock du coup du webshop et apprivoiser le stock, quoi. Et moi, c'est vraiment tout ce qui est création, faire mes essais, puis alors les donner dans la famille pour dire que tu veux pas essayer, tu veux pas essayer. Alors les gens se retrouvent avec plein de produits à essayer. Puis à la maison, quand je sors du labo et que je remonte, j'ai créé ça, vous voulez pas essayer, quoi. Donc moi, c'est vraiment cet aspect création qui m'intéresse le plus et qui me motive le plus finalement. Et qu'est-ce qui vous plaît le moins? Chez moi, c'est les commandes chez les fournisseurs. Parce qu'alors, je dois faire des fiches Excel pour comparer tous les prix, la qualité des produits pour qu'on utilise dans nos propres produits, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps pour moi, en fait. C'est fastidieux, c'est ça. Ouais. Oui, et moi, ce que j'aime le moins, quelque part, c'est de me replonger parfois dans cette réglementation, de me dire, il faut monter toutes les infos sur le portail européen, il faut bien tout documenter. Et quelque part, ça prend du temps. Et puis ici, on dit, mais t'es nulle part. Ben oui, mais je suis désolée, je ne sais faire ça que le week-end pour aider. Donc, quelque part, parfois, j'ai la pression. On a eu la fête des mères. J'avais Bertrand et mon mari qui me disaient, Christelle, t'es sûre, tout est bien sur le portail. Je dis, oui, vous ne tracassez pas, tout est sur le portail, quoi. Mais donc, voilà, parce que, effectivement, ça prend du temps et c'est lourd au niveau administratif, quoi. Oui, ouais. Tout à fait. Chaque fois qu'on veut lancer un produit, parfois, les clients s'imaginent ou alors nous demandent, je ne sais pas si vous avez ça aussi, ce serait chouette que tu fasses un nouveau shampoing solide. Ce serait chouette que tu crées ça. Alors, les recettes, elles sont là parce que, en général, on les fait pour soi. Et oui, quand c'est une passion, j'imagine que toi aussi, c'est oui, vraiment, des produits, on en fait, on en crée. Maintenant, de là à avoir la bonne recette et après de franchir toutes ces étapes et de se dire, oui, ça vaut la peine de le mettre sur le marché et oui, on va développer l'idée et on va faire tout ce qu'il faut au niveau administratif, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Oui, et puis rentrer dans tout ce processus, parce qu'une fois que nous on est convaincus et qu'on a eu un feedback positif en retour de la famille ou des amis, il faut rentrer dans tout ce processus finalement. D'abord, il faut faire homologuer. Donc, ça prend déjà un certain temps. Et je te rejoins tout à fait. Il y a des clients qui nous ont dit « tu peux créer ça ?» Oui, je peux le créer, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, tu as eu plusieurs fois des demandes. Quoi. Donc, et puis, il faut faire des choix aussi au niveau financier parce que cela a un coût également. Il n'y a pas que, les formules à faire valider qu'il coûte. Il y a aussi, à chaque fois, c'est une étiquette à créer. C'est, le contenant, si tu pars sur autre chose que du savon. Oui. Tout à fait. Donc, ça prend du temps. On est obligé de faire des choix. Et voilà. Donc, ça, il faut bien savoir que ce n'est pas si évident que ça. Il ne suffit pas de faire sa petite popote et le lendemain d'aller mettre sur le marché. Ça ne se passe pas comme ça. Oui, on est d'accord. Il faut avoir, bien conscience de ça aussi quand on a envie de se lancer. Mais c'est bien parce que personne ne m'a répondu la vaisselle. Pour j'aime le moins. C'est-à-dire que moi, je mets beaucoup au lave-vaisselle, tu vois. Donc, dans le labo, il y a un lave-vaisselle, donc je mets un maximum dedans. Et puis, après, je suis contente quand je le vide. Je me dis, c'est arrivé. Oui. Mais c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Oui, quand vous renettoyez après, ça me fait plaisir. Parce qu'à un moment donné, quand tu crées, c'est pas toujours très propre, tu renverses. Et puis, revoir le labo, ma table en inox, nickel, je suis contente de l'avoir fait. Donc, finalement, c'est pas lourd.
Enfin, perso, c'est pas lourd, quoi. Moi aussi, j'ai ce petit sentiment de satisfaction quand je passe avec la désinfection après et que tout. Voilà. Et la mise en place aussi, ça me plaît bien. C'est assez. Oui. Quand on prépare tout, chaque petit. Oui, tout à fait. Oui. C'est comme un petit rituel, finalement. Oui, je suis d'accord. Oui, tout à fait. On prépare les produits. Donc, oui. Et dans le labo, moi, je travaille en musique. Donc, ça me donne énormément d'énergie. Donc, finalement, je descendrai le samedi soir ou le dimanche après-midi. C'est souvent en fin de journée, le dimanche, que je m'y mets parce que j'ai eu d'autres activités avant. Et j'ai l'impression d'être fatiguée. Puis, je descends dans le labo. Je branche ma musique et je suis partie. Et hop, parfois, ils m'appellent pour souper. Et je dis, bah, souper sans moi, je mangerai après. Quoi, parce que je suis partie et j'étais reboostée, j'ai retrouvé plein d'énergie. Donc, c'est preuve qu'on fait vraiment une activité qui nous plaît. Quand on est comme ça dans le flow, on ne voit plus le temps passer. C'est vraiment ce qu'il faut, en fait. Alors, quels sont les produits, finalement de votre gamme qui sont bien peut-être les préférés, vos produits phares. Est-ce que vous pouvez un petit peu me montrer? Oui, en fait, nous, on s'était dit d'office, on va montrer ce que nous, on aime bien. Oui, tout à fait. Voilà, oui, je te laisse. Du coup, pour moi, c'est celui-ci, le bleu de toit. Il est avec beau. Avec l'huile essentielle de romarin. Moi, je l'aime bien parce qu'il sent vraiment très bon. Et après le lavage, la peau est vraiment très douce. Et c'est aussi un savon vraiment pour homme. Donc, c'est pour ça que je l'aime vraiment bien aussi. C'est ce côté un peu frais, un côté frais qui réveille. Mais tu peux le montrer, on dirait on dirait la mer un peu. Oui, voilà. Le bleu, le noir, vraiment côté homme, quoi. Ouais. Enfin, il est très chouette. Ouais. Et moi, c'est tout à fait autre chose. Donc, c'est un savon à la banane. Ah oui. Oui, et en fait, il y a réellement de la banane fraîche dedans que j'ajoute au dernier stade finalement de la préparation. Et ça permet d'avoir une mousse super généreuse, très riche. Et ça a un côté, comme Bertrand le dit, mais enfin, tu le connais, hein, cette douceur que ça apporte. Ça fait des belles bulles parce que bon, il y a le sucre dans la banane. Parfait. Finalement, avec la saponification, ça mousse bien. Donc, c'est super, super agréable. Et alors, un que j'ai pris, en fait, c'est un baume pour les mains et les pieds. Donc, c'est un baume. Donc, c'est quelque part, c'est riche. Comme consistant, je l'utilise énormément sur les pieds et je trouve que ça répare très bien. Et d'ailleurs, on va faire un peu de pub prochainement sur les baumes. Donc, ce ne sera pas ici, ce sera via les réseaux sociaux. C'est le printemps, bientôt on va mettre des chaussures ouvertes, nous les dames. Donc il faudra avoir des beaux petits pieds et utiliser des baumes. Voilà. Mais je mettrai de toute façon toutes les informations, votre site internet. Ah, super. On mettra tout ça dans la petite description. Et comme ça, les gens pourront aller voir ce que vous faites et pourront retrouver les produits que vous nous avez proposés aussi. Donc voilà. Et donc tu dis sur les baumes, bientôt une promotion, c'est ça? C'est-à-dire qu'on va, on va vraiment en parler, on va demander à Romain de faire un petit storytelling au niveau du baume, parce que quelque part, ça correspond, il commence à faire bon, on va un peu se découvrir, on va mettre des sandales, nous les dames. Donc, si on met des sandales, il faut avoir de jolis pieds, quoi. Oui, et puis aussi, c'est vrai que quand on porte des sandales, après, on a tendance à avoir les pieds très, très secs. Et parfois, on se retrouve au mois de septembre et on a les pieds vraiment abîmés. Donc, abîmés, tout à fait. Donc, voilà, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut mettre son petit baume. Et il est parfumé à la lavande, c'est ça que j'ai vu. Celui-là, il est parfumé à la lavande, oui. Ok, super. Et est-ce que vous prévoyez d'autres produits bientôt? Est-ce qu'il y a des choses en développement? On ne va pas dévoiler de secrets, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont... Oui, on doit encore les publier et les annoncer sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, et aussi les mettre sur notre webshop. Donc, il y a bien sûr les huiles à barre, comme j'avais déjà dit, je pense, les déos aussi. Il y aura aussi de la poudre pour réaliser des masques. Ah oui, génial. Et aussi des baumes à lèvres qui vont venir. D'accord. Et le savon à raser pour la fête des pères. Voilà, et le savon à raser. Eh bien, ça c'est bien. Oui, voilà, il y a plein de choses qui vont venir, quoi. Beaucoup de boulot pour
Et pour le site et pour la création derrière. Oui, oui, tout à fait. Oui. En fait, on a déjà les homologations, mais comme je disais, on est tellement... je dirais, Bertrand, il est étudiant, Romane est étudiant, mon mari et moi, on travaille temps plein, donc on les aide, je dirais, les enfants. Donc nous, on ne sait faire ça que le week-end, quelque part. Mais par contre, il y a des échéances, il faut être honnête, il y a des échéances marketing, il y a des échéances commerciales. On vient d'avoir la fête des mères, on va avoir la fête des pères. Bon, là, heureusement, on a déjà fait homologuer les produits, mais par contre, comme tu dis, il va falloir que tu les publies avec Romane. Donc là, il faut qu'on soit à temps et c'est ça. Et parfois, je sais qu'on a raté des événements commerciaux. Il n'était pas toujours très content parce que, on n'a pas su publier. Voilà. Donc, mais bon. Et ça, même, je dois dire que... alors déjà, moi, j'ai connu de fonctionner, donc j'ai gardé un emploi temps plein à côté de la savonnerie pendant 4 ans. Donc, je sais que c'est compliqué de gérer les deux ensemble. Et même maintenant que je suis à temps plein, je donne les formations aussi, mais maintenant que je suis à temps plein dans la savonnerie, bien, c'est pas toujours évident de maintenir les... Des fois, je me dis, j'ai une idée en tête, je me dis, ça, ce sera super. Et pourtant, je vise loin. Je me dis, j'ai 6 mois pour Noël, pour Halloween, pour voilà. Et au final, il y a d'autres choses qui arrivent en même temps. Et finalement, on se sent pris de court. Et c'est vrai que ça arrive encore, malgré tout, de louper des choses et louper des occasions. Oui, et puis Alain et moi, donc mon mari et moi, nous, on est juste aidants. Et on ne sait travailler que le week-end. Ouais. Bertrand et Romane, ils sont étudiants. Et toi, tu commences. Il est en blocus, Je suis en blocus, donc. Oui, voilà. Et sa sœur aussi, elle commence un peu plus tard, mais elle est en blocus aussi prochainement. Donc, oui, ça ne va pas être facile, quoi. Oui, ouais, je comprends. Bon, c'est un choix, quoi. Ouais. Donc, Mais après, quelle satisfaction! Quand on a le retour des clients et que les gens sont contents et reviennent et disent que ce sont des beaux produits et que c'est un plaisir. Oui. Ouais. Donc vous vendez sur votre site internet, mais est-ce qu'il y a des endroits, est-ce que vous avez d'autres circuits de vente, des marchés, des revendeurs ou des choses comme ça? Oui, donc on a aussi quelques revendeurs dans la région. Et un magasin Nivelles, c'est ça, qui revend aussi nos savons. Mais c'est principalement dans la région Brabant-Flamand, en fait. D'accord. Il y a plusieurs revendeurs qui revendent donc nos savons. Mais sinon, on peut aussi voir tous nos produits sur nos réseaux sociaux, où ils sont mis en avant avec des belles photos, des belles vidéos que ma sœur crée. Alors, c'est un petit passe-temps pour elle, quoi. Ok, donc vraiment essentiellement sur le site, alors si on veut retrouver vos produits. Oui, voilà. Oui, et il va falloir qu'on démarche, quoi, mais bon, ça sera pendant les grandes vacances. Ouais, parce que c'est... Voilà. Ouais, c'est encore un autre aspect. Un autre aspect, quoi. Tout à fait. Et quel conseil vous pourriez donner à d'autres gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure, d'ouvrir une savonnerie et voilà, qui ont envie aussi, eux, de s'y mettre et de devenir artisans. Vraiment, de persévérer, avoir la motivation et garder la motivation quand on commence. Et surtout, demander de l'aide aux autres. Donc, vraiment contacter les autres artisans qui font aussi du savon. Et surtout, pas avoir peur de poser ses questions et partager ses idées. Mais je crois qu'il faut se fixer une ligne. Parfois, il va falloir déplacer des échéances, même pour se lancer quelque part. Et je pense qu'il faut essayer de se faire épauler un maximum chez les personnes qui sont ouvertes à partager, finalement. Et les garder un peu comme balises et repères et quelque part comme modèle aussi. C'est ce que je t'ai déjà dit. Parce qu'effectivement, ça donne de la motivation quand il y a un peu des coups de mou. Et quelque part, cette motivation, si on la garde à flot, ça permet de se remettre en question, ça permet d'avancer. Et c'est vraiment... c'est un chemin qu'il faut construire et il faut, je dirais, continuer de l'améliorer. C'est un processus d'amélioration, je dirais, quotidien. Et voilà, et il faut rester sur...
Je suis tout à fait. Il faut rester sur la distance aussi et il faut pouvoir la parcourir, quoi. Donc, et à un moment donné, on voit que l'éléphant est tellement gros, mais il va falloir le saucissonner quelque part, en faire des petits morceaux, mais il faut garder le cap. C'est vraiment ça, ouais, c'est ça l'idée. Oui, ouais, c'est ça en fait. Ça paraît vraiment être une montagne. Il faut franchir une étape à la fois. Mais oui, c'est ce que je dis souvent aussi. Et je pense que oui, se faire aider et accompagner et garder le contact avec les autres, c'est très très important. Bon, c'est ce que je pense aussi. Et c'est vrai que des obstacles, il y en aura. Voilà. Mais ça, je pense que c'est vraiment pour toute entreprise, en fait. Oui, quel que soit, oui, tout à fait. Je dirais au niveau artisanal, oui, ben, c'est pas facile. Voilà. Mais si on est convaincu de son produit, de son idée, et qu'on peut se faire bien conseiller, ben, le chemin est déjà moins ardu. Donc voilà, et comme je disais, si on a nos points de repère avec des collègues, eh bien à un moment donné, quand on a des questions, ben on peut se raccrocher à ces personnes et dépasser l'obstacle quelque part, et du coup ben on apprend pour la fois prochaine. Donc, oui, et puis ça rebooste aussi. Tout à fait. D'être inspiré par les autres, on a tous besoin d'inspiration, et on a tous besoin de voilà, c'est vraiment ça, ça rebooste. C'est vrai que de ne pas rester seul dans son coin. Et oui. Mais voilà. Eh bien, je vous remercie tous les deux, ben encore une fois, d'avoir accepté cette interview. Et je suis sûre que ça plaira à beaucoup de gens. Et puis, au plaisir d'encore échanger ensemble. Et je souhaite une belle vie à Chrysal Natural Soap. Merci à toi de nous avoir permis de partager ce moment avec vous et avec ton